Ils ont pas arrêté de me narguer. Nous, on fait les mortes mines, on t'attend. J'ai fait 8 ou 9 fois les mortes mines, il n'y a pas eu une fois le mineur Johnson, ça me dégoûte. Le big ouais. Marteau de Brombro. Brombro a pas tué. Oh, ouais, Brombro est bien trop bon. Oh, la main sur le cul. Non, mais crois pas que c'est comme ça que tes cas m'arrivent. Oh, ah, voilà. Ou cap, j'ai tendu, bah parfait. Putain, j'avais dit à fond, je me l'ai laissé, mais pas. Oh, j'ai. Oh là là. C'est la quatrième fois que je la vois me passer sous le nez, ça m'énerve. Et bonsoir. Oh. Et bonsoir, maître. Bon, les pécores. Putain, le dernier connard. Oh, souillon, tu m'invites. Dans le groupe, c'est bien, je l'accepte. Artebus, niveau 16, oh non, mais c'est quoi oui. Artemine, full PL. Ah là là, mais tout va bien, je suis présent, tout va très bien se passer, oh, voyons. Full PL. De quoi te plains-tu? Tu es en présence du seigneur Phébus. C'est vrai que ça me suffit. Alors, quel est le programme ce soir, les pécores? Mortemine. Mortemine, très bien. Que la taverne de Goldshire, c'est toujours full RP dégueulasse ou pas? On ira tous à Pornshire, même moi. Non. Ah, j'y ai passé des heures à Pornshire. Comment ça? Pornshire. Ah bah... Souillon, tiendrais-tu ton nom de là-bas? C'est possible. Mais quelle est donc cette maison? Je ne connais point les mortes mines. Inquiète, tu vas les connaître. T'as jamais fait les mortes mines? Je n'ai jamais fait les mortes mines avant Cataclysme. Il y a un ennemi! Help! Non, ils ont pas sauté, c'est con. Oh là là. Bah non, moi j'attendais mon maître. Tu veux prendre tous les verres, Souillon, n'hésite pas. Hein, pour... Ah oui, pour Death. Ah oui. Métier. En tout. Il y a un malfrat qui a osé nous attaquer. Mais il a été puni. À cause de vous, on a deux secpa dans le groupe là, c'est pas facile. Hein. Quoi, éradiquons-nous ces humains? Des méchants. Des méchants. Ils n'ont pas l'air méchants. Il y a le rat. Sérieux? Non. Dégoûte. Non, c'est le running gag depuis hier. Mais il est magnifique votre bouclier, seigneur Brombro. Je l'ai récupéré sur le dos d'une tortue légendaire. Mais sans mes bottes aussi. 3 d'agi, 3 d'endu. C'est parfait pour le seigneur Phébus. Et hop là. Dans la poche. Pour point blanc, j'ai cuir. Pas, pas terrible. Tu rigoles? La dernière collection hiver. Et nous allons tomber la baguette de Souillon. La baguette de Souillon. Le bâton. Oui. Pour étaler ses tartines et sa terrine. On a quoi en stun là? T'as déjà le marteau de la justice? Bien sûr que je l'ai. Je l'ai depuis le niveau ouais, 4. Sur Van Cleef, le claquer à 50%, comme ça il invoque pas les amis. Très bien. S'il ne résiste pas à mon sort, je pourrais. Ah ouais, c'est vrai. C'est vrai. 100% il va résister. Bon, par contre, on va reculer parce que. Très bien. Je recule. Je soigne, Brombro. C'est passé exactement comme prévu. Un coup de Shrek-sophone, j'entends derrière moi. Shrek-sophone? Mais Nazar, il fait qu'écouter que ça. Hein. Je comprends pourquoi est-ce que demain soir il ne sera pas là en raid. Toutes ses neurones vont fondre. Macaron, allez, Macaron. Donne-moi ton attendrisseur. Très bien, l'attendrisseur. Bah voilà. Il l'avait demandé. C'est toujours les plus noobs qui lootent le plus, hein. Je ne m'étonne pas. C'est ma foi qui est mise à l'épreuve. Je serai récompensé avec la porte cendre plus tard. S'il s'agit de loot, je ne fais confiance à personne. Par contre, restez là, sinon vous allez avoir le boost. Ok. Quel saut magnifique. Tu as fait de la gymnastique. Xav n'est pas quelqu'un de confiance. On me demande rien comme ça. Bah, je te change-t-il à d'habitude? Ok, il va falloir le... Ah! Too late. Ce n'est pas grave. Voilà. Cap, j'ai tendu, bah parfait. C'est la cape à fofo, ça. Une cape parfaite pour moi, merci. Putain, j'avais dit à fond, je me l'ai laissé, mais pas... Aïe. Oh là là. C'est la quatrième fois que je la vois me passer sous le nez, ça m'énerve. Toi qui peux pas la mettre. Bah oui, c'est pas tout de suite, hein. Attendez, j'ai une nourriture pour vous. Lyon vous donne de l'esprit. Merci, monseigneur. Heureusement que je pense à te nourrir de temps en temps. Heureusement que vous êtes là pour moi, alors que je devrais être là pour vous, mais vous me fatiguez, maître. Partant de prestance et de lumière, je sais. Déjà ? C'est sur Monsieur Smite que le puissant marteau de Smite tombe, d'accord. Peut-être le laisser, mais vu que t'as pris la cape, c'est terminé. Je cautionne votre désarroi et je comprendrai. Merci Grisdeg pour le lurk. Dieu te le rendra. Grisdeg, c'est un vrai. Je me dois de... De quoi parlez-vous, Seigneur Phébus? Je partage mes visions avec des malandrins et des pécores. Mes visions divines. Par de saintes prières, ils peuvent voir ce que je vois.
Vous êtes puissant, maître. Je suis très puissant, en effet. Une hache bien plus efficace que la mienne. Je vais donc prendre et ne pas l'équiper parce que je n'ai pas la compétence. Ah, je crois que la box ça cache chez Monsieur Brobro. Regardez-le courir sur son tapis de course. Oh, le big marteau de Brobro. Oh, c'est Bus qui va le ninja. Brobro a passé. Oh, ouais, Brobro est bien trop bon. Oh, la main sur le cul. Non, mais crois pas que c'est comme ça que le karma arrive. Ah, merde, avoir un bon karma. Je pense que la cape elle va tomber du coup. Oh merde. Enfin, oh, regarde. Regarde. Besoin de se nettoyer. Je suis au-dessus du vide, mais je ne t'ai pas rejoint. On va faire le boss. Hein. J'avais besoin de nager un peu. Que t'amène la rune du Wind Fury En eau. Ouais. Bah oui. En plus de l'effet de Wind Fury, il y a autre chose. Bah oui. Ah, c'est peut-être déjà bien. Oui. Et donc. Que ça dire que ceci. Je suis des elfes. Oh, bien joué! Oh là là! Oh là 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 là! Ah, il m'en fait une deuxième, ça tombe bien! Oh, il l'a avant LDF quoi! Elle est là! Oh le lag! Non, mais tout le monde là, gros! Tu es en train de laguer, je pense, Brobro! Oh, les sorts, ils portent pas! Oh la merde! Oh, le marteau! Pour les pièces d'or! Par contre, j'ai 800 MS, c'est casse-couille! 1200 maintenant! Oh non! Oui, on va le vendre. Non mais je le nie vraiment. Oh Souillon. T'as bien fait de venir. Vous allez lui briser le cœur. Vous êtes fou. Hein. Je crois que c'était la dernière run de Brobro. Ah mais vraiment quoi. Brobro quand tu l'as le somme on dirait un gosse de 5 ans. C'est mon 20ème run de Deadmine de merde. Je prierai pour toi, Brobro. Je prierai pour toi. C'est pas le truc pour les échanger pendant 2 heures, hein. Mais non. Non, on peut pas, c'est ça qui est pourri. Pour les échanger pendant 2 heures. Nique ta mère, Aliette. C'est bon, j'ai le titre de ma vidéo. Brobro se fait l'Injalou, tout son stuff. Oh, le bâton. Bâton. Attention, Suyon, j'ai mis besoin sur le bâton. Je voulais déjà. Ouais, bah je me méfie. Mais elle a mis besoin. Oh, aussi, putain, mais c'est pas vrai. Besoin. Mais Suyon. Oh, oh, tu l'as eu. Oh non. Putain, mais elle est en train de nous saboter le dos. Échanger après. Hein. Responsable de butin. Très bien. Je sais qu'elle peut pas échanger après. Je vais mettre le maître de butin lorsqu'il y aura la porte cendre. Peut-être bientôt. Ah, attends. Résiste. Il résiste. Oh, la cape. Très bien. Justice a été rendue. Et dire que ce donjon à cataclysme va nous faire souffrir. J'ai que de brefs souvenirs de celui-là, mais il est un genre de parcours, non? T'as un genre de parcours, il faut que t'évites des trucs d'électricité un peu comme dans les vieux jeux de PS2, tu vois. Et si tu le fais assez vite, t'as un boss bonus. Et en vrai, les mobs tapent très fort. Pour ma défense, je n'ai pas du tout entendu parler quand il disait qu'il voulait la cape. Parce qu'entre tout le monde qui parlait, j'ai pas du tout entendu. Alors que moi, je le savais très bien. Ouais, elle est bien là-bas, c'est un tap fort, hein, putain. Ah bah oui, ça doit te changer la vie, ça. Demande à Souillon. Un tap fort, hein. Non, vous êtes niveau combien, Souillon et Seigneur? 18. Que 20. Ils ont pris un petit boost, là. Elle est ultra lente, elle a une bonne plage de dégâts, il y a beaucoup de force, il y a tout ce qu'il faut. Vraiment, là, il y a... Ouais, Seigneur Phébus, il est content, là. Seigneur Phébus, il a la trique très dure, il pense à la lumière tous les jours. Le seul défaut, c'est qu'elle a un skin dégueulasse et que c'est une masse. Et pas une épée à deux mains. Ça, on peut pas tout avoir, monsieur Phébus. Ah, Seigneur Phébus veut tout avoir, voyons. Dame Kernara. Oui, j'ai reçu. Voici une baguette faite par notre serviteur. Faite par notre serviteur Souillon. Il se peut que sa qualité soit douteuse. Mais ne nous attardons pas à cela. Elle nous sert comme elle le peut.
tout à l'heure. Votre dévoué seigneur, Phébus. C'est pas voilà. Très sympa, mais... J'ai envoyé la baguette à Dame Carnara et j'ai glissé un mot gentil en disant que ça venait de toi. Vous me fascinez. Like et abonne-toi pour soutenir Phébus dans ses aventures. Viens me voir sur Twitch si le cœur t'en dit. Bisous.